Moi je l'ai pas, mais pas disponible à le game avec le blanc au milieu de partir de nos acolytes. Ça va être super cool pour une nouvelle aventure. Nouvelle aventure les potes, parce que mon blanc il a disparu. Oh putain! Et salut à tous, c'est Oxy. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Let's Play sur Watch Dogs. Donc en passant, vous voyez, j'ai changé ma tenue, donc je suis habillé en Viceroy. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ouais, donc ça on s'en fout. Donc j'ai un peu menacé le vendeur, mais bon. Donc là, je vous propose avant de continuer l'aventure, d'aller se balader un peu et de regarder les petits trucs intéressants. Par exemple, ça là, le truc CityOS, et ça on va aller le faire, ça le... pour la réputation, parce que c'est important. On va aussi aller voir où est-ce que c'était, où est-ce que là il y a des vêtements, ouais, commerce. Et je voulais trouver des armes aussi. On a pas là. Contrat de fusil, ouais, ça... Ah oui, j'en ai fait ça, c'est des courses, c'est trop bien. Bon, moi je fais quelques trucs en off, j'avance dans les missions secondaires. Ah ouais, là. Bon, d'abord on va aller au truc là. Et cette fois faut vraiment pas qu'on se loue parce que je suis vraiment pas réputé pour ça. Hein. Hop. Attention mon gros. Voilà. Allez bougez. Désolé les poteaux, pas fait exprès. Alors, c'est par ici. Voilà, ça passe. Alors, et là faut vraiment pas qu'on se fasse chauffer. Alors, profiler. Et on va y aller en discrétion. Où est-ce qu'il est? Ah, où est-ce qu'il est? Bah. Il y a personne là. Il faut vraiment pas. Alors lui. Victime potentielle. Ah, ça c'est nickel. Le truc c'est s'il. C'est qu'on sait jamais par où il arrive. Je sais pas du tout par où peut arriver le mec. Ah, des robots! Des robots maléfiques! Quoi? Mais c'est quoi ce délire? Non, je... Hey! Stop! Ah ouais, ok. Ah oui, non. La police, votre urgence, s'il vous plaît. Pourquoi vous en prie, venez vite! Y'a quelqu'un qui tire! Ouais. On va se barrer. On peut pas, Souffre de troubles anti... Can CityOS approuvé, on lance la recherche du... Oh merde! Eh, je l'aurais pas. Ça me rattrape à une vitesse, ce truc! Vous voyez la map en bas, faut pas que... Ouais, je suis cramé quoi. Voilà, on se casse. Bon. Ouais, ça qui est le problème, c'est que quand tu tires avec une arme, tu te fais repérer. Attention, par les flics et tout. Une voiture de patrouille s'approche de la position du suspect. Ouais, donc au moins on a eu le truc, la prochaine fois on essaiera de l'avoir avec à la main. Ah merde, je l'ai pas neutralisé. Donc là on va juste sur les flics, je me suis pas entraîné. C'est vraiment pas compliqué. Oh, dégage. Oula, je fais du deux roues. Ah merde, je suis pas attaqué là. Par le mec il roule 50 fois plus vite que nous. Ça rentre moi dedans gros. Merci. Putain, et quand il y a de la pluie, c'est trop dur ou c'est moi là? Arrêtez-vous tout de suite. Ma voiture, on va se barrer parce que... on n'arrivera jamais à le semer sinon... Oh putain. Central, on va avoir besoin de soutien. Ouais bah ton soutien tu te mets dans le cul, ok. J'espère que là il va pas nous suivre. Bon, là j'ai un peu fait exprès, je l'avoue. Un cible a été blessé. J'ai il nous suit, mais. Il time. C'est quoi ces flics là? Oh, je sais par où je vais aller. Là on va tourner. Et là normalement il va pas nous suivre. Voilà. Alors gros. Ah yes. Voilà, c'est bon. Central, on est en position, on cherche... Bon, on se barre du rond et après on va aller faire ce qu'on devait faire. Par contre, il nous rattrape. Allez, roule. Ouais, c'est bon. Central, ici 725 David. Prévenez toutes les patrouilles, le suspect a filé. Bon, par contre, on va changer de caisse parce que... là, ça le fait vraiment pas. Alors... qui veut me donner sa caisse? Casse-toi, toi. Bon, moi je veux une caisse qui a un minimum quoi. C'est quoi ça?
Allez, courons! Là, je veux dire, ce jeu, je l'adore. Oh, tu vois, allez, hop, la verte, là, les... Oh non, je vais prendre la bleue. Elle a l'air plus sympa. Oh non, celle-là, 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 celle-là. Putain, par contre, tu la prends pas sur le gars. Ah, la phobie des microbes, hein. Ouais, donc j'ai fait une petite parenthèse en... Tout de suite là, je vais juste parler d'un autre let's play qui se passe sur la chaîne de mon voisin, sur la chaîne de Neoxys. Je vous mettrai une annotation à ce moment là parce qu'il fait un let's play sur Alan Wake en ce moment, qui est un très très bon jeu. Et je vous invite vraiment à aller le checker, hein, parce que c'est vraiment un super jeu. Merde, je voulais pas faire ça. Hop. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à y aller, c'est vraiment super cool. Où est-ce qu'on va aller? Alors moi je vous propose d'aller au système CityOS pour activer le truc. Je crois que c'est un truc de backdoor, ça, si j'ai bien compris. Ça permet de, un peu comme les points dans Assassin's Creed, s'il vous plaît. Sauf que là c'est pas pour voir ça, là c'est pas pour voir la map, c'est pour accéder à une petite partie du CityOS. Je pense que vous avez capté. Ah, elle est vachement bien cette caisse. Ah, le bruit il est juste excellent. Attention, est-ce que je vais me craquer ou pas? Oh putain! Oh, on est pas mal hein! Je commence à m'y faire. Alors. Bon, allez, on le pauvre pirate. Alors. C'est là, c'est là. J'ai commencé avec 20, tu vois? Je me suis mis à la table de cool. Après, je suis passé à la roulette. J'ai dit que j'avais qu'à mettre les 40 sur le rouge et voir ce qui se passe. Mais juste avant de poser les jetons, putain, je change d'avis et je mets tout sur. Ouais, en fait il parle. Alors je sais pas comment on fait. Où est-ce que c'est? À moins qu'on peut rentrer là-dedans. Non, va. Contact fixeur. Ouais non, ça on va pas le faire par contre. Je sais pas où est-ce qu'on fait pour. Ah, élévateur. Ah. On va y aller. Ça doit être sur le toit. Ah oui, ouais, c'est des points donc ça doit être en hauteur. Ce qui paraît très logique. Non, je vois pas tout. Alors. À moins que si on pète la barrière. On va essayer. Il y a des chariots élévateurs et tout. Allez, casse-toi. Je pense pas que ça va pouvoir se faire. Ah, sinon, si on la met, si on pose la voiture et qu'on monte dessus. Ouais, non. De toute façon, je l'ai mal mise donc. Ouais, non. Il doit y avoir un passage. Hein. Je me fais chier à essayer de passer comme ça, mais il doit y avoir un passage. J'ai une question. Jamais vous vous excusez, un minimum. Mais ferme ta gueule. Alors, écoutez, je ne dois c'est pas. C'est quoi votre problème? Non, mais ferme ta gueule, toi. Alors, je vois pas du tout comment je peux monter. Hein. Attends, si on active ça. Ouais, ça monte, ce qui est logique. Qu'est-ce que j'ai fait là? Attendez, chariot élévateur. Ah ah, s'il doit y avoir moyen. Voilà. On peut pas là. Et je comprends vraiment pas les potes, comment on fait pour passer. Ouais, ça monte, c'est logique. Mais moi, je veux savoir comment on rentre là-dedans. Bon bah, écoutez, je ne sais absolument pas. Il doit y avoir... Ah, quoique, regardez. Si on passe là... Là... Mmh-hmm. Ah ah. Ah ouais, c'est une histoire. Et voilà. C'est pas si compliqué que ça, faut juste trouver le chemin. Alors, allons-y. Magnifique. Montons. C'est par là? Apparemment. Ah oui, c'est la tour là. Ouais, ça doit être ça. Moi bah, j'imagine que c'est par là. Ouais. Nickel. C'est magnifique. On est d'accord, c'est magnifique. J'ai le jeu en height. C'est. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? On va pirater.
Alors, essaye de la... Ah, erreur. Oh, ouais, c'est énorme. Alors, déverrouillé. Normalement, ça s'est ouvert, ça? Je pense. Et voilà. C'est nickel. Donc, placer... Pirater la tour CityOS. Hop. Alors, si... alors, est-ce qu'il y a une animation sympa? On va voir ça tout de suite. Ah ouais, il y a une animation. Ouais, donc on a agrandi notre zone, on a réussi à pirater une partie du CityOS. Alors, récompense de progression. Ah oui, je vous ai pas montré ça. Je ne crois pas. Parce qu'on a une roue de progression. Attendez, voilà. Et on a plein de trucs à compléter. Et au fur et à mesure qu'on débloque des trucs, et ben on peut débloquer les armes, des plein de trucs. Par exemple, je vais vous montrer dans enquête, par exemple. Là, on débloque des armes, par exemple. Mission secondaire. Vous voyez, on peut débloquer plein de trucs. Là, augmente les dégâts infligés aux voitures ennemies lors des collisions. Donc, il y a vraiment plein de trucs. Et en plus, c'est vachement bien foutu. Alors, contenu district débloqué. Alerte CityOS. Ouais, bon, ça, moi, je les ferai à part en off. Là, je vous propose d'aller... Attendez, ça va faire un petit bout de temps déjà que je m'amuse un peu. Ouais, donc moi, je pense qu'on va aller faire la mission. Donc on va aller ici. J'avais l'intention d'aller acheter des armes et tout, mais... J'irai en off, et puis on ferait ça pour le prochain épisode. Hein. Ouais, donc on va descendre... simplement, sinon on va se casser la gueule. Oh putain. Ouais, ça va. Alors, élévateur. Franchement, ce jeu, il est juste excellent. Hein. Je le kiffe. Hop. Voilà, donc ma caisse est là-bas. Ouais, mais mec, j'ai rien fait. Faut qu'il se calme, le mec. Alors, ma caisse. Elle monte. C'est la même, celle-là? Ah non, pas de celle-là. Ah si, je crois. C'est juste que la mienne, elle a les phares allumés. Bon, allez, hop, on va à la mission. Donc, la dernière fois, on s'amusait avec... enfin, on s'est pas amusé, mais on... On est allé pour l'anniversaire de Jackson. Ah oui, le métro. Oh là là là, le métro, on peut pirater pour leur faire arrêter l'anniversaire. Donc là, il s'est arrêté. Ouais, et on peut le prendre en plein vol, c'est trop énorme. Ouais, moi je pense, je sais pas ce que vous en dites, mais moi je préfère avancer, enfin, faire les petits trucs en secondaire que de les faire en. Que de les faire en vidéo, parce que sinon on va pas avancer dans le jeu, on va avoir une centaine d'épisodes à la fin, ce qui risque d'être très long. Donc je pense faire en vidéo les trucs principaux, puis je pourrais peut-être même limite vous faire les... Voilà, donc là CityOS, on est non connecté parce qu'on n'a pas piraté la tour, si j'ai bien compris. Ouais, donc j'en étais où? Ouais, donc je pense que c'est mieux de faire les actes principaux, merde, dans ton sens. En vidéo et de faire les trucs secondaires et tout en off. Ouais, ouais, ouais. Donc on est plus très loin. C'est vachement beau. Oh putain, pardon. Ah merde, j'ai loupé la sortie. À demi-tour. Non, pas comme ça. Hop. Voilà. Merde, attends, mais ça fait deux fois que je la loupe. Je la voyais pas là en fait, la sortie. Allez, go, c'est bon. Ouais. Oh, je crois. Voilà, on pirate ça juste pour s'amuser. Un pont. Oh, ouais, le pont. Le pont. Ouais. Wouhou. Des débordements meurtriers ont eu lieu la nuit dernière. C'est excellent. Ce quartier est connu pour ses flambées de violence, plusieurs membres des Viceroy s'affrontant pour prendre la tête du gang. Rien ne permet de penser que ces règlements de compte se calmeront un jour. Bah les Viceroy, hein, c'est un petit gang. Si le CityOS renforce la sécurité, je dois renforcer mon armement. Exactement. Acheter le fusil. Bah oui, on va acheter des armes, allez go. Ah oui, ouais, parce que je... Ah oui, je me rappelle, on devait acheter des armes pour Bah pour la suite, on verra bien quoi. Alors, magasin. Bonjour. Ouais, on peut le menacer avec l'hydro, mais là,
On va faire. Alors, fallait que j'achète quoi déjà? Alors, fusil d'assaut. Attendez, il disait quoi? Le fusil d'assaut 416, ok. Alors, fusil d'assaut, quoi, donc il y a la molette pour descendre sur fusil d'assaut. Et on va sur 416, 1200. Je peux vous aider. Mais oui, mais ferme ta gueule! Putain, j'achète ce que je veux acheter. C'est bon, je l'ai acheté. Ces dernières semaines, les centres CityOS de Chicago ont renforcé leur sécurité suite à une série d'attaques menées par le groupe DedSec. Interrogée à ce sujet, Charlotte Gardner, porte-parole de Bloom, s'est montrée catégorique. La sécurité des citoyens est primordiale. Chaque centre de contrôle CityOS a donc été doté d'un service de sécurité. Ouais, ils ont augmenté leur sécurité. Ces gardiens de la paix hautement qualifiés ont servi dans les régions les plus dangereuses de la planète. C'est pour ça qu'on a acheté une arme, en fait, Madame Gardner, ces gardiens de la paix sont d'anciens militaires de mercenaires. Certains ont un casier. Vous confirmez? En effet, ils ont servi dans l'armée. Bah, c'est une bonne journée. Je ne pense pas que nous devons menacer des soldats qui ont fièrement défendu leur pays. Allez, si on le menace. Ah non, pas plus. Qui nous permet d'offrir aux habitants de Chicago le confort qu'ils méritent. C'était Charlotte Gardner, porte-parole de Bloom, sur la Alors, dans la roue, vous pouvez modifier l'arme sélectionnée. Alors... Merde, je suis dans le smartphone, là. Vas-y, sors le... sors la machine. Reculez, reculez, il est armé. Bon, voilà, donc là, on a nos armes. Attendez... Hop, et si je fais ça? Comment on change d'arme? Attends, ils ont dit quoi là? Quoi? Ici la police, quelle est votre urgence s'il vous plaît? Mais j'ai rien fait, putain! Il y a un malade avec une arme! Putain, balance son scan CityOS. Là, je l'esquive normalement. Putain, ils sont sales, elle est sérieuse la meuf là? Voilà, c'est bon. Juste à côté. On esquive aussi. Putain, il se rapproche de nous. Oh, lâche-moi. C'est bon, a priori. Centrale à toutes les unités, on l'a perdu. Voilà. Rien. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Point de compétence obtenu. Ah oui. On va pouvoir augmenter une compétence. Je propose d'augmenter... la conduite, le piratage ou... Ouais, attends, Watch Dogs, c'est un jeu de piratage, on va quand même augmenter le piratage. Alors, ça permet quoi, ça? Maintenez A pour surcharger les transformers, les transformateurs, n'importe quoi, et provoquer d'importantes explosions. Ah, ça peut être sympa, ça. Ça fait quoi, ça? Augmente la quantité d'argent obtenue lors du piratage des comptes bancaires. Ah, c'est vachement sympa, ça, aussi. Bon. On sait quoi, vous? Combat. Alors... Appuyez contrôle pour activer, désactiver le focus et ralentir votre... Ouais, non, ça... Améliore la rapidité avec laquelle vous changez d'arme. Passe. Réduit le recul. Moi, je pense qu'on va prendre un truc de piratage. Hein. Alors... Ouais, ça. Allez, hop. Oui. Voilà. Alors... où allons-nous faire un tour en voiture? Et voilà, donc si on pirate ça, et ben on sera connecté. Ah non. Ah, dans cette partie là on est connecté. Ici on est non connecté. Ici non connecté. Non connecté. En fait, faut juste pirater les machins rouges. Alors, donc on va aller là. C'est plutôt logique. Du coup, on change de caisse en milieu. Hein. Ouais, change de caisse comme ça. Ouais. Par contre, je ne sais toujours pas comment on change d'arme. Comment faire pour aller sur le côté? Merde, je regardais pas devant moi. Le con! Désolé les poteaux. Hop. Le ski. On fait attention. Alors. Pass backstage. Leur sécurité va être dure à passer. Eh ouais. Mais j'ai pas le choix. Je veux savoir qui menace ma famille. À qui appartient la voix de l'appel téléphonique? Ah non, pour ce combat suivant, en fait, je vous expliquais. Dans le dernier épisode, Nicole, elle s'est fait menacer et tout. Et puis Aiden, il est sur la... Il essaie de trouver le mec... Le mec qui a ordonné à l'autre mec de l'effrayer, là, Nicole.
Ça sert à rien ça en fait. Donc pour nous, on va aller dans le truc du site OS pour localiser le mec. Mais ils ont renforcé leur sécurité suite à la suite aux attaques des gangs là. C'est compliqué. Hein. Bon, je pense qu'on n'a pas trop le choix. City OS, attends. Non, je pense que j'étais très bien là-bas. On localise un garde qui a le code d'accès. N'importe quoi. Sors de là! Quoi? Mais comment il s'est charmé? Je suis dans la poubelle. Ah, ok, ok, j'ai compris. Alors là, j'ai le 416. Mais mec, il me voit pas, je suis caché là, avec mes armes. Alors. Si on fait péter ça, allez, go, rien à battre. Voilà, là on les a un peu. Caméra. Quoi? Attends, je suis bloqué, je peux plus aller à droite. Bon, on va recommencer. C'est bon, pas de quoi s'inquiéter. Mais non, mais. Je peux plus, je vous assure que je peux plus aller du côté. Ah, je peux plus y aller. Là, je pense qu'on doit pouvoir faire que ça. Mais c'est chiant. Putain, mais j'y étais quoi, j'ai trop le seum. Non, on est bloqué là. C'est quoi, on va essayer de trouver un autre truc. Ouais, par là, l'entrée. Alors, on rentre par l'entrée, ça va être le mieux. Même si, ouais, c'était logique. Attendez, ça mène où ça? Non, ça mène au métro. Allez, pop machine! Je pense qu'en fait. Il y a un mec juste là. Oh, si on déclenche l'alarme, c'est drôle. Oh, ça, la barrière, c'est trop. Oh, c'est excellent! Ah. T'as pas un pass gros? Panneau électrique alors, qu'est-ce qu'il affiche? Pas de pizza ce soir. Char. Ok. Faut qu'on aille là-bas. Gru. Oh! Oh! Il est mort! Oh putain, c'est excellent! Attendez. Éléments de fabrication pour piratage nous. Ok, on va à la caméra là. Faire exploser. C'est quoi ça? Oh putain. Ok. C'est tellement excellent. Et merde, je suis encore là. Oh! Mais elle est trop. Ah non, je suis sur un policier, ça doit être ça. Attiré. Ah oui, ok, je suis sur la caméra du policier, c'est pour ça que quelquefois il bouge pas. Je change de coin. Oui, ça dégage parce que moi je voulais là-bas. C'est bon. Oh, c'est chaud. J'avais pas compris qu'il y avait une caméra. Peut appeler des renforts. Il est sérieux lui? On est mort. Donc pour contrôle, le mec est là-bas a priori. Caméra. Alors, c'est encore là-bas. Et boum! Ouais, je pense qu'il va pas. C'est tellement excellent. Au moins maintenant on peut rentrer. Hein. Hop. On va essayer de trouver un autre chemin. C'est là-bas. Ah, une caméra là, c'est nickel. Quoi, il parle à moi là? Ah, je suis désolé, mec, je suis désolé. Je crois que je me suis fait repérer. Putain, il est sérieux le gars, il m'a cassé les couilles. Il me tire pas dessus là. Allez, salut. Qui c'est qui a fait ça? Oh, c'est excellent. Bon, on va laisser la barrière fermée. Ok, on peut pas se cacher derrière. Partez ou je tire. C'est aussi simple que ça. Ok, gros.
Je te laisse tranquille, gros. T'inquiète pas. Ah, je perds du temps là. Parce que l'autre mec me casse les couilles. Je vais vraiment réussir ça sans problème. Ok. On a accès à la caméra là. Oh, caméra! Hop. Ah, bah voilà! Eh, tout simplement. Diversion. Pourquoi on devrait faire une diversion? Faut qu'on aille ici, mais faut qu'on aille à pied. Ah ah, je crois que j'ai compris. On va faire le tour. Ouais, faut qu'on va faire le tour. Ouais. Ouais, 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 ouais. On va faire le tour, on va faire le truc de la diversion. Et voilà, c'est trop tard. Putain, gros, elle est classe ta caisse. Tu le sais ça? Elle est où la meuf? Oh, le petit bug que je viens d'apprendre. Quand tu bugs la porte et que la meuf peut pas sortir du coup, et bah du coup elle disparaît. Ah, c'est intéressant ça aussi. Oh merde. Oh merde. Elle est tellement puissante cette caisse. Attends deux secondes, je rate juste un truc. Ok. Cool. Oups. Je sais pas si ça se casse, mais j'ai failli tout péter. Je viens de déverrouiller ça. Restez vigilants. Diversion. C'est moi les mecs, lâchez l'affaire, c'est déjà pas drôle les 20 premières fois. J'étais trop con de vous en parler. On lâche rien. Putain, il casse-couille le mec, il veut pas bouger. Mais bouge, bon bah l'alarme. Oh hey. Il se passe quoi ici? Allez gros, va voir. Après, il va être du côté là. Je sais vraiment pas comment faire. Eux, ils s'en foutent que je passe. C'est bon, j'en ai rien à foutre. Ouais, vous êtes dans une zone interdite, ça semble aille. Ça, c'est pas clair. Non, toi, tu restes là. Ça. C'est vraiment louche. Ok. Faut qu'on aille où nous déjà? Ouais, faut qu'on localise un garde, mais. C'est quoi elle? Et merde, un truc qui va pas. Toi. Attention. Toi, t'as pas de passe. Toi, t'as pas l'air d'avoir de passe. Allez, go. La vache. Faut le trouver, vous m'entendez? Oh putain, il m'a vu le mec. Fouillez la zone. Ah, c'est chaud de trouver le garde. Je vois que dalle. Il me fait flipper le gars parce qu'il me voit. Viens pour moi, change de coin. Ouais, ça casse toi. Du coup, je suis revenu parce que il m'a fait peur. Allez, venez là, les potes, parce que. Ouais. Mais je trouve pas cette quelle. Toi, t'as rien, toi. Il est dans le coin. Merde. C'est pas ça que je voulais faire. Alors. Accès à la salle de salle. Ah! Ah voilà. Nickel, on a mis du temps mais c'est bon, c'est enfin fait. Utilisez le code d'accès pour accéder au serveur. Ah ouais, ils sont les serveurs. Ils sont là-bas. On va y aller avec les caméras parce que. Sinon ça va être trop chaud. Hop. Y'a rien ici. Je vais voir là-bas. Toi, va voir là-bas, s'il te plaît. Attention! Suis tes potes.
Rien ici, reculez là-bas. Continue, bouge de là. Y'a rien ici. Avance. Il est chiant. Je vais voir là-bas. Il a disparu. C'est quoi ça? Ah, c'est bon. Sinon, vous savez quoi? On va. On y va, allez, on y va. Ok. C'était tellement chaud! Je l'avais surtout tellement pas vu. Allez, go. Oh merde! Tellement pas cramé le mec! Qu'est-ce qu'il y a, Max? Sois sur le coup. Ok. Ah, nickel toi. Toi t'es bien là. Comment je t'ai attiré? Voilà, voilà, voilà. Nickel. Je pense quoi là? Ah ok, j'ai compris. Alors, ah ouais, c'est un petit tour de mot de passe. Ouvrez l'œil. Hop. Et c'est bon là, non? Je comprends pas trop là. À moins qu'il faut mettre comme ça, voilà. Ok. Alors là, toi t'es pas bon. Toi t'es bien. Toi t'es pas bon du tout. Merde. Il y a du temps là ça. Ok. Les mots de passe c'est bien foutu comme système là. Alors. Bah déverrouiller. Nous y voilà. Ah, nous y voilà. Je suis connecté. Ah, bad boy, wesh bad boy. T'es dans le City OS? Déjà? Eh ouais gros, je suis rapide. Exactement, j'ai le réseau devant les yeux. Toi, tu as ton accès, et moi maintenant, j'ai le mien. Le système du profiler est en ligne. Il suffit d'un clic pour accéder aux secrets de tout le monde. Il indique même toutes sortes de trucs dans la zone. Je crois que ça pourra m'être utile. Ah bah, semble un trafic en ligne. Il y a peut-être des fixeurs sur le réseau. Si je peux les voir, ils peuvent me voir aussi. Ok, il faut que je bouge. J'ai fait pas mal de bruit là. Laisse-moi le temps de tracer ton appel. Je te tiens au courant. Ok, bad boy, à plus. Quitter la zone. Ok, bon, on va quitter puis on va se laisser là. C'est vraiment excellent. Après, faut qu'on fasse dire parce que là, si on se fait choper maintenant. On va se barrer par là. Ils sont ça. Voilà. Moi je vais aller là-bas pour. Merde! Oh putain! Il y a pas ma caisse ici. Bon, apparemment non. Ah, elle est là! Coucou! Alors, rentrons. Pour le prochain épisode, je vous promets que je change d'habit. Oh putain. Elle est trop énorme cette voiture. Allez, roule. Mim. Voilà. Et voilà, passe backstage. Accès au district débloqué. Super belle la caisse. Bon bah voilà, on a fait notre taf. Métro, arrête-toi. J'ai besoin que tu me rendes un petit service. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Jordi? J'ai signé un deal très lucratif avec un client très exigeant qui a besoin d'un chauffeur. Non. Attends. Ce matin, j'ai trouvé Maurice en train de creuser un tunnel pour sortir de sa chambre d'amis. Oui, ça. Il faut que je change d'endroit. Bon, ce serait un peu à toi de t'en occuper, vu que Maurice, c'est ton problème. Mais c'est pas mon style. Je finis toujours ce que j'ai commencé, donc ce que je demande... Ok, c'est bon.
Je m'en occupe. Non, mais je voudrais pas t'embêter non plus. Je t'ai dit que c'était ok. Faut faire quoi, exactement? Une livraison. Escorter un type. C'est simple, non? Mais oublie pas que ma réputation est en jeu. Mon client paie le prix fort pour avoir le meilleur chauffeur de Chicago. C'est son jour de chance. Bon, Jordi qui fait un peu de chantage. On va devoir conduire le mec, là, le client. Va falloir l'escorter. Bon, je pense qu'il va y avoir des coups de feu et tout, ça va être assez drôle. Bon, il fait du chantage, hein, sinon on est obligé de s'occuper de Maurice. Mais cela, ce sera pour le prochain épisode. Sur ce, on va se laisser, les potos. Un petit clip numérique, ça vous branche? Non, ça me branche pas du tout. C'est la question qu'on risque de vous poser dans les rues de Chicago ces temps-ci. Tant cette nouvelle pratique clandestine se généralise rapidement. Une seule expérience psychotrope est actuellement disponible. Mais d'après les connaisseurs, d'autres devraient bientôt arriver sur le marché. Ouais, blablabla, on s'en fout. On va quand même faire une ligne droite, dégage! Ouais, et donc on va se laisser là-dessus. On se donne rendez-vous pour le prochain épisode qui sera l'épisode 4. De tête, hein. Voilà, je commence à m'améliorer en conduite. J'espère que vous l'aurez remarqué. Bon, en tout cas, je le remarque. Et donc voilà, donc on se laisse. Allez, ciao ciao!